Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Axel World versus Sword Art Online. Précédemment, j'ai pu récupérer quelques récompenses intéressantes dans les coffres verts, et on avait surtout une équipe qui avait besoin de progresser en termes de niveau. Donc c'était l'occasion de s'en occuper et de voir un event au Colisée, tout ça. Et maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec Limebell. Apparemment, elle attend Haruyuki, donc on va aller le chercher. Vu que c'est l'épisode Mystification, exactement comme avec Sandpile, il y a de fortes chances que ça concerne également ces espèces de sceaux avec des ailes. On avait récupéré ça d'ailleurs. C'était aile sciant que j'ai donné à Sandpile. Du coup maintenant, on va peut-être pouvoir récupérer une récompense que je donnerai à Limebell, hein, pourquoi pas. Tout du moins, si ça s'accorde bien avec son style de combat. On verra ce qu'il en est. Silvercrow, est-ce que tu es prêt? Parce qu'on peut s'attendre à des combats, ça paraît logique. Bonus d'attaque de rang 3, photo déployeur, ouais. Bon, on va dire que ça ira. Au niveau des armes améliorées, il a rien encore. Ah, c'est pas terrible ça. Il faudra que j'y réfléchisse un petit peu de mon côté. Ouais, lui préparer des équipements appropriés. Allez, pour l'instant, on va voir ce qui se passe entre ces deux-là. J'aime bien ces deux-là parce que c'est toujours assez marrant ce qui se passe entre eux. Alors, épisode annexe Mystification, Thierry a travaillé dur pour améliorer ses compétences de cuisine dans Halo. Aujourd'hui, elle a invité... invité entre guillemets, Haruyuki à l'accompagner en quête de nouveaux ingrédients. Ok, ça promet. Un combat aura lieu, très bien. やりはじめたら楽しくなっちゃって。そっか。まあ頑張れ。な、何よ、その興味なさそうな声援は。いや、別にそういうわけじゃないけど。あ、そうだ。今から食材探しに行こうと思ってるんだけど。春付き合って。え、え。いいでしょ?敵だって出るから、バーストポイントや熟練度稼ぎにもなるわけだし。でも食材集めて、 D'accord, donc en fait, elle l'invite pas. Elle l'invite pas, elle le force à venir.確かこのゲートって出現自体がレアなんだよな。そうそう。それでね、異界にはさらなるレア食材があるって噂があるのよ。そうなのか?でもあのフィールドって世紀末ステージとかブレインバーストの影響を受けてるよな。そこにあるレア食材ってなんかやばそうなんだけど。 ダメよ、余計なこと考えちゃ。行ってみなくちゃわからないでしょ?いやいや、チユも今考えただろ。あんなところで手に入る食材ってなんかお腹壊しそうじゃないか。仮想世界で壊すわけないでしょ。まあそうだけど、でもな、お腹壊さないまでも変なデバフとか、やっぱり場所を変えた方が。 Trop motivé le gars. こんなところの食材ってますます食べられそうにない気が。まだ言ってる。探してみないとわかんないでしょ。だって不食人だぜ。腐ってるものしかないよきっと。腐ってる食材バカにしちゃダメよ。発酵食品は体にいいし美味しいものだって多いんだから。うん、そうかもしれないけど。 ほら、見てよ、春。あそこにキノコが生えてた。げげ、なんだよ
そのキノコ光ってるよ。明らかに毒持ってるだろう。まあ現実にあったらそうだろうけど、仮想世界だしまだわかんないわよ。まだって食べてみればわかるわ。見た目で判断しちゃダメ。食べてからじゃ遅いって。大丈夫、うちのパーティーには食い意地だけは7王クラスが1人いるから。それ俺だろ。もういいから、ちょっとは私に協力しなさいよね。先輩の言うことは素直に聞くくせに。え、なんでもないわよ。はい、キノコ集める。OK. Aïe, aïe, aïe. Les sujets qui fâchent. Effectivement, si ça avait été Black Lotus, il se serait peut-être pas plaint. Bon, alors ramassons des champignons. C'est ce qu'elle veut apparemment. Mais il y a quand même quelques monstres. Attendez, il faut que j'aille vérifier un truc. Puisqu'on est ici, il faut que j'aille vérifier s'il n'y a pas quelques monstres précis. Ok, forcément, ils sont pas là. Bon, tant pis. Tant pis, parce que c'est un endroit où on peut trouver pas mal de slime de miel. Donc, pour récupérer de l'XP, c'est pas mal. Mais bon, on verra plus tard. Ok. Non, j'ai rien vu, désolé. Ah, celui-là, il a l'air un peu plus fort. Mince, j'ai complètement raté. Ok, très bien. Une petite vouivre qui défend les champignons, ou pas. Rien à carrer. Combien il en faut exactement? On verra bien. Ok, elle flexible, si vous voulez. Ah, il y en a encore ici. だからチユもその血を引き継いでるはずだから、きっと料理の才覚は眠ってるだけなんだよな。どうせ私はママほど上手じゃないわよ。だってまだ僕ら中学生なんだし、伸びしろはまだまだあるよ。これからだろ。チンしたピザとカップラーメンしか用意できないあんたに上から目線で言われたくありません。失敬だな。他にもいろいろと作れるぞ。何作れるの？レトルトのパスタとカレーライスくらいは。自炊できるってアピールする男子の典型的なダメ回答ね。すみません。 OK. Bon.Alors, il en faut encore, c'est ça? Mince, là, je peux pas passer. Du coup, il n'y a même pas de trésor. Ok, il y en a peut-être un par ici. Voilà, champignon. Champignon, j'en avais repéré un tout à l'heure dans la forêt, là.Mais il y en a peut-être ailleurs. Ah, c'est vrai que Linebell ici, elle est pas très très... Enfin, on peut pas voler avec elle, donc. Ça va plus vite avec Silver Crow. Ok, en voilà d'autres. Ok. Bon.Alors attendez, parce que... Ouais, voilà. Ils sont... Ici.
キノコ料理か。ホワイトソースのシチューに入れてもいいし、ソテーとかトーチ炒めも美味しいよな。クロー、危ない。 OK, ça se précise。ボサッとしてるからやられちゃうんだよ。こいつもしかしてこの辺りの主的なやつ？多分そうだと思う。それよりもクロー、傷の手当てをするからこっち来て。もう光るキノコは嫌だとか言いながらちゃっかりどう料理するか妄想してるからそうなるのよ。いや、面目ない。下ろんこありがとう、ベル。完全回復だよ。まったく、気をつけてよね。それじゃあ行くよ、クロー。うわっ、ひょっとしてこいつキノコ取りすぎたから怒ってるのかな。だとしたらちょっとかわいそうね。いやいや、腹が減っては戦はできぬ。食うか食われるか、食物連鎖の世界は非常なのです。違わないっすね。エクセレント。 OK, alors on va se refaire. Espérons-le. Faudrait que j'arrive à briser des trucs. Mince. Allez, on devrait pouvoir en finir. Ou pas. Ah, raté. Oh mince. Ah là, j'ai vraiment été très mauvais. Je voulais lui foncer dessus. Perdre contre un truc pareil, je te jure. Wow. Ouais, sauf que j'étais trop loin. Ok, merci Limebell. Bon allez, vas-y, fais quelque chose de bien quand même. Voilà. Bon, c'était assez pitoyable, on est d'accord, mais bon. Je récupère une arme. Gridar Volfactis, je l'avais déjà, je crois. Enfin bon, c'est fait, c'est fait. Yosha! Boss Gekka! Yatta ne, Haru! Sate, otanoshimi no boss drop wa atta. Ore? Kono item, doko ka de? Ah, donc le voilà. なんか素材もゲットしたよ。お肉かな。いや、何よこれ。うわ、キノコに劣らずグロテスクなビジュアルだな。腐ってるのかな。熟成ってことでしょ。熟成肉はむしろ旨味成分が強くなってるんだからね。じゃあこれも調理するの？ちょっと考えさせて。了解。さて、そろそろ食材集めもお開きにして踊ろうか。そうだね。 OK, on récupère L Emerald. エギルさん、すみません、厨房をお借りしちゃって。いや、それは別にいいんだが、あの料理で大丈夫か。さっきキッチンからすんげえ異臭が立ち込めてたぜ。
たまらず俺は出てきしまったんだが。え、やっぱり変な化学反応とか起きてるんじゃ。完成。お待たせ、ハル。チユ、僕お腹の調子が突然。だから仮想世界で腹痛はないって言ってんでしょ。私的にはかなりうまくいった感じだよ。いいから食べてみて。あのキノコと肉の毒味だろって、あれ意外に美味しそうな見た目。さっきの一周もねえな。はい、どうぞどうぞ。じゃあお言葉に甘えて。おおお、どう？うまい、うまいよ、チーユ。キノコの風味が肉を引き立たせてるし、肉の霜降り加減も最高だ。やった。ほら、食材は見た目じゃない、言った通りだったでしょ。 OK、 elle est vraiment sympa celle-là, j'adore. J'adore la tête qu'elle fait. 何よりこのソースの酸味が効いてる。まるで高級フランス料理みたいだ。そのソース実は私のオリジナルなんだ。すごいよ、チーユ。これならおばさんにもすぐ追いつけるんじゃないかな。これは仮想世界で作った料理なんだから、現実はこんな簡単にはいかないでしょう。でも褒めてくれてありがとう、ハル。うん、おいしい、おいしいの。Bon, ok. Apparemment, ça s'est bien terminé. Avec des ingrédients pourris. Ah, j'aime beaucoup les events entre ces deux-là. Sérieux, ils me font marrer. Bon. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a récupéré Elle Emeraude, c'est ça? Du coup, je vais regarder un petit peu, est-ce que ça pourrait convenir à Limebell? Ou éventuellement à Silvercrow, mais... je préférerais le donner à Limebell. Tout va dépendre de ce que c'est. PB+, jauge de coup spéciaux max réduit. Augmente considérablement la quantité de PB laissée par les ennemis, mais diminue la capacité de la jauge des coups spéciaux. Voyons voir. Voyons voir ce que ça pourrait donner. Ok, Limebell. Voilà, c'est ça, Elle Emeraude. Ah ouais, quand même. Oh la vache. Surtout que j'en avais déjà un amplificateur de PB. Donc en fait, on se retrouve à 500 pour les coups spéciaux au lieu de 1000. Ça, j'avoue que c'est quand même assez moyen. Maintenant, on récupère peut-être beaucoup de PB, donc ça peut être intéressant. Mais... ouais, il faudra que je teste. Après, pourquoi pas, parce que Limebell, c'est pas vraiment un personnage qui... j'ai pas envie d'utiliser énormément les coups spéciaux avec elle. J'utilise surtout les attaques normales pour foutre des altérations d'état aux ennemis, quoi. Donc, à partir de là, elle a pas besoin d'une jauge de coups spéciaux très grande. Mais quand même, je me méfie, hein. Bon, on verra ça plus tard, écoutez. Bon, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a fini les événements qu'il y avait en ville. Apparemment, on n'a pas de nouvel épisode pour les pixies, par exemple, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir continuer l'histoire dès la prochaine fois. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va en profiter, vu qu'on a un petit peu de temps libre. J'ai toujours la quête d'Exe à faire sur Wellgund, mais on la fera plus tard. Alors on va profiter d'un petit peu de temps libre pour voir quelques messages, parce qu'il en reste quand même, ouais, il en reste plutôt pas mal, donc on va profiter du temps libre pour faire ça. Voilà, on va commencer par celui-ci, dans le futur, Asuna Kirito, 21 ans dans le futur, c'est dans si longtemps que je n'arrive même pas à l'imaginer. Ce sera comment d'après toi, Kirito? D'accord, donc ça concerne Kirito, je vais aller le chercher.
Après, ça, c'est le genre d'event... Enfin, c'est le genre de question... Il vaut mieux ne pas demander, à mon avis. Voilà quoi, avoir des révélations sur le futur et tout. Je pense que c'est plutôt le genre de choses à éviter. Alors, ça concernait... Ouais, c'était Asuna. Hey, Kirito-kun. どうした? クロユキさんやハルユキ君ってこの時代の21年後の未来からやってきたんだよね。ああ。でもまあ、地続きの未来かどうかはわからないけどな。地続きって? Ouais, ça c'est vrai qu'on sait pas encore. 要するに、この先に本当にハルユキたちが存在する未来があるのかどうかわからないってことだ。 パラレル的な未来ってことも考えられるからな。なるほど。それもそうだね。アスナ?でも、あの、もしもさ、ハルユキ君たちの未来が私たちの今と繋がってるなら、その世界で私たちはどうしてるんだろうね。え?あ、そうだな。なんというか、先のことを言うと鬼に笑われるというか。うん、さ、それ。もうキリト君、ごまかさないでよ。私たちの未来を知りたくないの?そんなことはないんだけど、気恥ずかしいというか。だってアスナ、ハルユキたちに俺たちが将来どうなってるか実際に聞いてみたいってことなんだろ? あ、そこまで考えてなかったけど、そうか、そういうことになっちゃうのか。俺は別にいいぜ。アスナが望んでるなら、ハルユキたちに聞いてみよう。二人の将来を知りたいと思うのは当然のことだからな。どうする? やっぱり、ハルユキたちに先に知られるのは恥ずかしかったか? Ouais, c'est pas vraiment ça, mais bon. もちろんそれもあるよ! でも... 知りたい気持ちはもちろん変わらないけど... やっぱり、未来は自分たちの足で歩いて確かめていくもの... それでいいかなって... ああ、そうだな。俺もそれでいいと思う。どんな未来になってるか、どんな未来にしたいのか、それを思い描きながら、一歩ずつ歩いていこうぜ。うん。OK. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de pas demander parce que ça aurait pu être imaginer un petit peu le truc, quoi. Parce que Asuna, ça me paraît évident que elle voulait savoir un petit peu est-ce qu'ils étaient mariés, quoi, tous les deux dans le futur et tout ça. Enfin, je pense que c'est ce qui l'intéressait le plus. Le truc, c'est que, voilà, imagine, imagine, ils vont demander et puis en fait, non, non, pas du tout. Pas du tout. Kirito, il est marié avec... il est marié avec Liz. Comment elle s'appelle Rika, elle s'appelle, je crois, ouais. Kazuto, il est marié avec Rika. Pas avec toi, Asuna, désolé. Imaginez un petit peu le drame. Donc, ouais, je pense qu'ils ont bien fait de pas demander. Ah là là. Ou encore mieux, Kazuto, il est marié avec... il est marié avec Lifa. Ils se sont mariés tous les deux. Ouais, non, je pense qu'elle serait complètement anéantie. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut pas demander. Enfin, je pense que c'est de ça qu'elle avait peur. Hein. Quand elle a dit que finalement, elle voulait pas savoir. Elle voulait pas savoir parce que si le futur n'était pas ce qu'elle attendait... Ça aurait pu être dramatique. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On a Silica, Kirito, tu m'accompagnes. Ouais, je vais pas forcément tous les faire dans l'ordre. Je vais prendre ceux qui peuvent m'intéresser sur le moment. Je suis jalouse, Lifa, Black Lotus. On a beaucoup de trucs avec Silver Crow. Il faudrait qu'on s'occupe de ça. Je veux parler de jeux, Silver Crow, Kirito, voyons ça. Kirito, j'aimerais savoir à quels autres jeux tu joues, à part Halo. J'en ai essayé quelques-uns de cette époque, mais rien ne vaut d'en entendre parler par quelqu'un qui était là à leur sortie.
Bon, voyons ça, ça concerne toujours Kirito, du coup il est là, c'est parfait. Alors cette fois-ci... Où est-il ? Silver Crow. Oh, cette série, c'est 21 ans après, elle a toujours continué. Oui. 当時はなんかバグもいっぱいあって批判も多かったって聞いてますけど今では FPS ゲームの代表格のゲームシリーズって感じですよいやいや、ハルユキあれは話題にはなってるがどっちかっていうと面白がられてるんだぜえ、バグを面白がる？ああ、コアなプレイヤーの間では調整不足なところが逆に面白いって言われてるんだへえこっちの時代じゃそのくだりはあんまり伝わってないですね何の話ああシノいいところにシノも今 FPS やってるんだよなうん春雪の時代のゲームの話をしてたんだ春雪は結構レトロなゲームを集めて遊んでるみたいでさ話も合うんだよおお前にもそんなことを言ってたわねでも私はそんなにいろいろやってはいないわ主に重火器系のタイトルだけちょっと触ってみてるのよでもシノンさんが FPS やってるなんてなんだかかっこいいっすねFPS ってクールなタイプの女性キャラが多いじゃないですかシノンさんはまさにそんな感じですそれってまるで私が可愛いキャラじゃないって言われてるみたいだわえ、違いますよシノン、ここは素直に受け取っておこうぜアクション映画の主人公戦としててシノンさんかっこいいってな感じでさまあ、別にいいけどシノンさんはどういうスタイルでプレイしてるんですか主にスナイパーが多いわね口径の大きな大型の狙撃銃を装備して遠くから敵を狙い撃ちする役割よへえじゃあ ALO の弓矢よりもよっぽどロングレンジですよねそうなのよねスナイパーも経験するようになってからはどうも弓矢のレンジが短く感じちゃってじゃあ今は ALO よりも FPS を遊ぶことの方が多くなってるんですかいえそれはないわね何せカーディナル製のゲームはクオリティが段違いだからカーディナルシステムで作られた品質の高い FPS でも出ない限り ALO よりも熱を上げてプレイするってのはないんじゃないかしらああ、でも最近はそういうのも徐々に増えてるって話だぜそうなの？ああ、今度調べてみるといいさ ALO じゃないゲームもいつか一緒に遊んでみたいですねこの3人でそうねああ、面白そうだ Ouais Un FPS basé sur le système cardinal. Intéressant. Oh, je ne t'avais pas vu. Les oiseaux de bon présage sont de notre côté. Ok, si tu le dis. N'oublie pas de m'inviter la prochaine fois que tu pars faire une quête. Ok. T'as rien d'autre à dire? C'est plutôt marrant de voir tant de races au même endroit. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas encore un autre message? Ou alors, peut-être pas, parce que je crois que j'ai des objets à faire analyser. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Silica Kirito, on se le réserve pour une autre fois, tu m'accompagnes. Je n'en dirai pas plus à l'aide. Ouais, il y a des trucs qui ont l'air quand même assez intéressants. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants, les jeux VR du futur, on peut recommencer. Ok, bon, on verra plus tard. On verra plus tard, mais il faudra tous les faire de toute façon. Alors je vais vérifier. Parce que je crois que j'avais des trucs à faire analyser. Et puis avec tout ça, je pense que... Bah ouais, je pense qu'on est... On est largement prêt. On est largement prêt pour aller voir ce qui se passe sur la troisième île, à mon avis. Pyro déployeur B-GOC, baguette de corail. Oh!
350 d'attaque magique. Ça, ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'on est largement prêt pour continuer l'histoire la prochaine fois. Allez voir ce qui se passe sur Wellgund. Là, on aura des choses plutôt pas mal à faire. En ce qui concerne... Bah, déjà, on va avancer dans l'histoire. J'ai hâte de faire la quête d'Exe aussi sur Wellgund parce que... Vu que j'ai récupéré Elucidator sur la deuxième île, j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir récupérer sur la troisième. Avec les espèces de mini-boss et tout, donc... En espérant qu'on ait de bonnes choses à ce niveau-là. Donc voilà, allez, à partir de la prochaine fois, on part sur la troisième île pour continuer le scénario. Et puis en attendant, je vous dis bye, salut à tous.